Voilà, on est reparti pour la quatrième session de World of Warcraft avec notre petit nain chasseur. J'attends d'avoir des retours du stream pour vous dire si la qualité est bien. Normalement, la qualité devrait être meilleure. Ça a l'air d'être le cas. Ouais, donc on va y aller. Donc on avait encore deux quêtes à faire. Par contre, il y a un ours par là. Non. On va essayer d'aller trouver le Vagash. Donc, machin. On va y aller. Hein. Apparemment, faut faire le tour. Et c'est quelque chose par là. Mais je sais pas du tout ce que c'est. À mon avis, c'est une bête dans une grotte ou quelque chose comme ça. Parce que souvent quand on vous donne des noms comme ça, ben ça, en général c'est soit une bestiole ou un mini-boss ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a l'air d'avoir une route. Ouais, par là ça monte. Est-ce que c'est par là? Ouais, ça a l'air. Alors on y va. Donc on n'est pas si loin que ça. 200 points entièrement. Oh, stylé, on gagne deux fois plus d'XP. Oh, mais pour pas longtemps, hein, si. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Oh, il y a des bêtes mortes. Ah ouais, je connais. Un Wendigo géant. Allez, on va lui péter la gueule. Allez, tire. Là, vous imaginez pas comment avant je galérais pour faire ce truc-là. Hein. Enfin, avant. Quand j'avais déjà joué, en vrai. C'est pas comme si je connaissais le jeu et que. Tiens! Ben voilà, c'est pas si compliqué que ça. Croc de Vagash. Voilà. C'était un Wendigo. Et il est mort, le Wendigo. Normalement, je peux descendre ici par la falaise. Bon, je vais me péter la gueule, je le sais. Mais bon, comme ça, je rends la quête. Peut-être que ça en relancera une autre. Voilà, on a perdu un peu de vie, mais bon, ça remonte vite, regardez. Oudra. Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? Alors, celle-là ou... Non, ça. Une tunique. Surveillez vos arrières! On n'est pas loin du niveau 10, là on se rapproche vraiment de plus en plus. On va aller battre les béliers. Les béliers, voler, récupérer. Alors on est à 67%. Mais ça y est, on est déjà plus en reposé. On est en XP normal là déjà. Ah là. Viens là. À l'aide! Ils sont un peu blindés. Voilà. Aide-moi, trou du cul d'ours, voilà. Souffrance, allez, voilà. Ah, mais je fais comment pour ramener les béliers, moi? Ah, il est pas avec moi, lui. Salopard. Tiens, meurs. Ah ouais, mais je fais comment moi? Est-ce que j'ai un objet de quête ou un truc comme ça à la con? Bélier, voler, récupérer. Bah ouais, mais je fais comment?
Ouais, mais ça ne m'aide pas. Et celui-là, ça a volé. Bélier volé. Bon, après faut que je ressuscite l'ours là parce que quand je suis tout seul je suis un peu plus vulnérable quand même. Allez, on va ressusciter. Ah merde. Et hop là. Non, elle est pourrie c'est le truc qu'on vient d'avoir. Comment je vais faire moi? Attendez. Les béliers que nous élevons, les entraîneurs ici dans la ferme de Distram ont toujours été la monture préférée de Dunmora. Quelques-uns ont posé par ici. Hein. Elle est plus audacieuse. Ah, faut mettre la commande slash siffle. Slash siffle. Ah voilà, c'est simple en fait. Suffit de buter le gars. D'aller tout près et mettre slash siffle. Voilà. Lui, on va lui mettre la gueule. Et meurt. Voilà. Alors, où ils sont les volets? Là. Ils sont violents les ours. Voilà. Là encore. Non, en évitant l'ours. Oh putain. Ils m'ont encore vu, hein, salopard. Mon ours est un peu plus petit hein, aussi. Oh, il m'a immobilisé le baraquis. Ah, meurt. Alors, on n'est pas loin du niveau 10 là. Ça siffle. Ah, non, les dieux. Voilà. Plus que deux, mais ils sont où maintenant? Parce que si le jeu est vraiment con, en fait ils vont repop tout simplement. Mais après, bélier volé. Il y en a par là. Bien d'avoir la carte. Hein. Bélier volé. Ah, ils sont tous en fait. Et lui aussi. Voilà. Putain, c'était simple à mort en fait. Je pensais qu'il fallait les tuer. Enfin, des trucs à la con comme ça. En fait, ça s'avérait que c'était vachement plus simple que ça. Bon, on va aller à la ferme des Distambles. Non, Distilambres. Mon avis, je dis ça, je dis rien, mais on devrait vraiment être pas loin du niveau... Du niveau 100, je disais. Non, mais du niveau... Putain, l'ours de merde, crève. Dents d'ours abîmés.
commence à avoir encore une fois pas mal de merdier, donc va falloir que je vide un peu l'inventaire. Il est là, le bonhomme. En espérant que lui, il m'envoie vers d'autres quêtes, hein, comme à chaque fois. J'ai les plus belles marchandises du pays. Adieu alors. Oh, on est pas loin. Plaisir de vous rencontrer. Il y a plus de quêtes, bordel. Là, on lui vend tous les merdiers. Et voilà. Surveillez vos arrières. On va où maintenant? Attendez, il n'y a pas moyen de choper un bélier. Ah là. Heureusement. Comment allez-vous? Alors, parlez au point. À très bientôt. Voilà, ça c'est un truc facile à faire. On doit aller où? Là-bas. Une zone encore inconnue, donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'on va avancer. Voilà. Attendez. Où est-ce que c'est? Une seconde. Voilà. Allez, on y va. Je trouve ça sympa, moi, que toutes les quêtes se relient, enfin, qu'il y ait toujours un gain, en tout cas, pour une fois que vous avez fait les quêtes de la zone, entre guillemets, mais qu'ils vous envoient vers une autre zone où il y aura d'autres quêtes et tout ça. C'est con, mais je trouve ça super bien fait. Par contre, j'espère qu'on aura bientôt un nouveau flingue. Et là. À mon avis, niveau 10, on essaiera de trouver un machin où on peut acheter des trucs. Genre à Forgefer. Ah ouais, il y a plein de quêtes. Et il est où le type? Il est pas loin. Que puis-je pour vous? Faites un bon voyage! Voilà. Là, et alors, faut que je ramène la quête à l'autre. Juste des explorateurs. Voilà. Maître des cuisiniers, marchand de fournitures. Oh, je veux un marchand d'armes. Y'a pas moyen. Mineur blessé. Là. Il est là. La Ligue des mineurs. À très bientôt. Surveillez vos arrières. Voilà. Donc il ne manque plus que. 600 XP à peu près. Donc une dizaine de monstres. Ou une grosse quête. Donner une rune de retour aux mineurs du chantier. On va y aller, hein. Ah, je suis déjà venu ici, je pense. Et la baraki! Nom de Dieu! Ben non, s'il m'attaque à 20. Allez! Alors, on doit trouver des artefacts glacés aussi. Je crois que c'est le machin qui est juste devant moi. Artefact glacé, voilà. Là-bas, il y en a encore un. Non, il me court après. À la limite, tant que c'est un par un, ça va. Je ne
n'échappe pas encore. La meurt. Et on est à presque 100 XP par bonhomme. Non. Allez. Viens dans ta tête. Alors, plus que... Oh, pas beaucoup. Artefact glacé. Il y a encore un truc qui brille. Mais par contre, je me demande... Non! Voilà. Là, il y a un truc qui brille. Voilà. Artefact glacé. Voilà. Et ouais, ils sont niveau 10 maintenant, les adversaires. Bien, l'ours. Bien. Putain, je dois en tuer blindé. Et ils sont où les mineurs que... Ah, là. Non, lui, il dort. Ah, il dort plus tout de suite. Hein. Oh, putain, non. Non, ne m'attaquez pas à plusieurs. Je suis niveau 10. Je suis niveau 10. Oh, putain, le nombre de sorts qui vient d'apparaître. Exagéré. Attendez, on va regarder ça après. Allez! Voilà. J'aimerais bien les loot de lui. On a vu les mineurs, c'est là-dedans. On va essayer d'avoir les artefacts. Il y en a plein là. Attendez, on va se foutre à l'écart. On va se mettre derrière le truc là. Non. Alors, attendez. Mets-moi le temps de choisir une spécialisation. Alors. Ordre des tueurs au tir des arcanes. Maîtrise à la bête. Ordre de tueurs. Ah, ordre de tuer, pardon. Tir des arcanes. Voilà. Maîtrise à la bête. Apprendre. Je vais apprendre cette spécialisation. Ah non! Viser, tir assuré, hein. Tir de cimetière, oui. Tir explosif. Vous lancez une charge explosive sur la cime et inflige 28 points de dégâts. Hein, hein. Ah non, maîtrise de la bête. Hein. Oh, vie. Voilà. Dernier rempart, charge. Endurance supérieure, voilà. Ça me paraît pas mal. Donc alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ça c'est... Ah, on peut contrôler. Allez, vas-y, l'ours. Je crois que l'ours est en mode destroy, là, pour le moment. De notre famille, voilà. Alors ça c'est comme morsure du serpent, inflige de dégâts de nature. Mon dieu, ça fait mal ça. Apprivoise une bête pour qu'elle devienne votre compagnon. Si vous perdez l'attention de la bête pour une quelque raison, la processus est échouée. Oh. Et si je veux un machin mage rock. Vous avez déjà invoqué une créature. Et je peux pas la remballer. Et décharge. Ah voilà. On voit le familier temporairement. On te casse. Cible incorrecte. Tu m'étonnes. Faut que je remonte.
On va chercher une bête, hein. On va revenir, vous inquiétez pas. On va aller chercher une bestiole. Ah, oh, salut Facecross. Tu refais un live hier soir? Non, j'ai pas refait de live hier soir parce qu'il y avait un match de foot à la télé. Après, j'étais fatigué. J'ai juste fait une ranked et puis je suis parti. Je dois m'approcher. Vous avez déjà trop de familles. Genre, pas trop de familiers, qu'est-ce que tu me racontes? Où est-ce qu'on voit ça? Non, c'est pas là. Grimoire technique, métier, non, spécialisation, familier. Ouais, non. Je veux trouver le machin avec la gueule du familier. Monture et masque. Non, c'est pas ça. Je vais trouver. Hein. Animer une mascotte. Mais c'est pas une mascotte, c'est une bestiole, enfin un truc que j'ai quoi. Envoyer temporairement. Voilà, tu te casques, rassembler les informations sur la bête ciblée, encadrer de l'aide d'affiche. Ah, mais j'aimerais bien moi le tigre, enfin le léopard de neige. C'est trop loin. Connaissance relevée. Vous avez déjà trop de familiers, mais j'en ai pas un. Enfin, si, j'ai l'ours, mais. Et je peux pas le remballer. Vous n'avez pas de familiers, et après, vous me dites, vous avez trop de familiers. What the fuck? On va l'appeler, c'était quoi comme ça? On n'y rend pas, non. Comment, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Cuisinier, Dominique. Oh punaise. Je galère. Mais je crois que je dois aller voir un chef ou je sais pas trop quoi. C'est au forge offert. Moyen d'aller ou pas? Là apparemment il y a des. Ouais, on va prendre ça, on va aller voir. C'est pas Forge Fer, c'était Keranos. Je crois que c'est Keranos, ouais. Au pire, avec ces machins-là, on peut y aller gratos, donc. Salutations! Ah non, on peut pas, faut payer. On va aller à Keranos. Et au pire, si c'est pas là, on ira à Forge Fer. Et si c'est pas là-bas, eh ben on ira autre part. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On passe au-dessus du truc qu'on est déjà venu, oui. Toujours la baston avec les crânes de givre, hein, c'est abusé. Et voilà, ouais, avec les gnous, ils sont toujours en train de se taper dessus. C'était pas ici, mais c'est pas grave. Un plaisir de vous rencontrer. On va aller voir. Dedans. Au pire, on va à Forge Fer. Mais ce qu'il y a, c'est je pense qu'il faut aller voir un maître chasseur. Maître des forgerons, marchand d'armes. Marchand d'armes, lui, il a peut-être un flingue pour moi. Chasseur, casse-tête, non. Une tomahawk, non. Adieu alors. Comment allez-vous? Maître des forgerons. Gardez les pieds sur terre. J'aimerais bien aller trouver un.
Un maître chasseur. Peut-être dans la taverne. Et si ça se trouve, il est là à droite sous mon nez que je ne le vois pas, hein, mais. Que puis-je pour vous? Un aubergiste, maître des prêtres, maître des guerriers. Secouriste, fourniture générale, aubergiste. Dites-moi qu'il y en a un, s'il vous plaît. Maître des cuisiniers. Maître des voleurs. Ah! Ah, peut-être. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y en a. Comment allez-vous? Jorven Tornebière, non. Il est pas ici. Et ici non plus. Et là-bas. Non plus, putain. J'aimerais bien trouver un maître des chasseurs. Je vous écoute. Surveillez vos arrières. Et s'il n'y a pas un petit étage. Si là au-dessus il y a un petit étage. Allez, dites-moi qu'il y en a là, quoi. Maître des chamans, maître des paladins, maître des mages. Mais putain, ils y sont tous sauf le chasseur. Salut. Maître des prêtres. Comment allez-vous? Un plaisir de vous rencontrer. Mais c'est pas possible. Un bon voyage. Que puis-je pour vous? Maître des chamans. Un plaisir de vous rencontrer. Bonjour. Je dois m'approcher. Vous êtes une belle. Putain, ou alors il est dehors, c'est pas possible. Maître des écuries. Que puis-je faire pour vous? Salut. Je peux vous aider? Maître des démons, démonistes. Un honneur, vraiment. Allez. Y'a pas à me dire qu'il y a tout sauf ça, quoi, ce serait. Bonjour. Comment allez-vous? Maître des familles. Bon, c'est peut-être ça. Bienvenue. Comment faire pour dresser mon familier? Alors, tout comme les chasseurs, les familiers peuvent choisir une spécification. Les féroces comme les félins infligent beaucoup de dégâts, mais n'encaissent pas beaucoup. La ténace. Adieu alors. Être des griffons. Commerçants. Être des métis. Putain, c'est pas possible, il y en a bien. Je peux vous aider? Vous m'offrez une chopine? Montagnard, taré, montagnard. Que puis-je pour vous? C'est pas possible ce truc. Il y a tout hein dans la vie, je dis bien. Hein? Dresseur de mascotte de combat, c'est pas ça. Montagnard blessé, montagnard d'épée. Mais c'est pas vrai! Lui, il a une tête de chasseur hein, avec son. Un plaisir de vous rencontrer. Alors, maître de classe, maître des chasseurs. Mon avis, griffe passe un peu trop de temps avec les animaux, mais personne ne connaît la voie du mur. Hein. Cherchez-le à l'extérieur de la forge de Kermos. Portez-vous bien. Peut-être là derrière. Un plaisir de vous rencontrer. Montagnard, non. Gardez les pieds sur terre. Loupiste. Mais non. Vous avez déjà une créature invoquée. Mais non. Moi, il est mort. J'ai même pas tapé dedans, il est mort. En dehors de la forge. Allez, il faut que je trouve. Ah, il m'a donné un petit drapeau. Maître des chasseurs, le voilà. Alors, comment apprendre le tour de spécification au niveau 30. Adieu alors. Portez-vous bien. Non, c'est pas ça que je veux. Familier. Mais je veux pas des compétences, je veux la gueule de mon familier, moi.
Général, précision. Métier, non. Je vais t'ouvrir, hein, je vais bien trouver un moment. Au fait. Mal de quête, non. Chef de guild, combat contre joueur. Monture et mascotte, mais. Je veux pas une monture, je veux un familier. On l'appelle lui. Abandonné. Mais voilà! Voilà, j'y suis arrivé! Bon, maintenant je veux un félin. Parlez-moi. On était où on était? Bon, je fais là. Surveillez vos arrières. On y retourne. Bon, notre thune aura un peu servi à rien, mais c'est pas grave. Au moins, on l'a trouvé. Et on va se trouver un putain de guépard des neiges ou je sais pas trop quoi. Et on va lui casser la gueule. Comme ça, ça va devenir notre pote. Allez, j'espère qu'on y est bientôt. Que les ours étaient quand même vachement balèzes. Non mais, les... Lui. Lui je veux. Le par des neiges. Voilà. Merci jeune... Jeune nain à la longue barbe. Toi je te veux. Et voilà, tu es à moi. Alors, renommé, on va l'appeler. Comme c'est un chat, on va l'appeler carte à jouer. Oui, voilà. Déplacer la carte. Pour des sorts, améliorer. Détail sur. Ah, ben voilà ce que je cherchais tout à l'heure. Il y a pas mal de vie. Le DPS. Ouais, sans plus en fait. Ah ouais, il a des pop quand même. Bon, on y retourne. On va finir cette quête. Ça fait combien de temps? 33 minutes. Allez, attends, charge, c'est où charge? Alors, quand vous utilisez votre familier, revient miraculeusement à la vie. Non, c'est pas ça. Donc, la vitesse d'attaque est 70% pendant 20 secondes. Ça, c'est bien par contre. On demande. Je ne suis pas à portée. Pas encore. Ça va, il tombe quand même pas mal. Hein. Et c'est terrible ce machin-là, là, le 4. Je viens seulement de m'en rendre compte que c'est comme ça. Toutes les secondes, il prend des dégâts en fait. Ouais, en gros, si j'avais un familier qui tank, je lui mets le 4 et je brûle comme un malade, il va crever quoi. Artefact glacé. Viens ici. Voilà. Thank you.
Ça n'a pas de coût en plus, ça, je pense. C'est instantané. Eh hey, mais c'est génial ce truc. Les prises sont en dos. Regardez ça le nombre de dégâts que je mets à la seconde quoi, c'est pété. Voilà, là on voit la différence, vous voyez. C'est ça que je vous disais, une fois niveau 10, ça... Ça va changer quoi. Un briseur d'os. Mais c'est lequel les briseurs d'os? Briseur d'os. Le 4 dans la gueule, mais c'est super facile maintenant. Oh, une page rouillée. Allez, plus que 3 artefacts. Alors, on le met à 3 pour l'étourdir et tu prends les dégâts. Bon, je veux des artefacts. Je veux des briseurs d'os aussi. Ah non, hein. T'es pas attaqué, tu m'attaques pas. Hein. C'est un peu le dawa là. Je ne peux pas l'attaquer. Oh, il est mort. Il me faut une cible. Ouais non, bon, 3 d'un coup, on est d'accord, c'est pas une bonne idée. Non, il va pas m'attaquer lui aussi. Allez, prends-le. Mais ils sont... Non! Tiens, je t'ai pas attaqué, m'attaque pas! Serviteur, mage rock. Ouais, mais non, mais là, ils exagèrent. Limite tu tankes pendant que je vais chercher les artefacts. Allez, viens. Non, c'est beaucoup trop. Allez, on se casse. Non. C'est la mort. Ah, le léopard il va crever. On ne crève pas. En fait je m'en branle que le... Lui il crève, c'est surtout moi quoi au final. Oh putain ma vie. Un plaisir à m'appeler. Je n'ai pas de cible. Oh, il est mort. Bon, on bouffe. Allez, reprends ta vie, toi, vite fait. Voilà. Bon, faut que je trouve des briseurs d'os. Mais par contre, sans famille, ça va être ton dax. Les heures de crâne. Attendez, hein, on va faire ça. Pour un intérêt. Humanoïde. Voilà. Allez, casse-toi. Mineur mort. Les heures de crâne.
Et je veux juste voir. Il n'y a pas de briseur d'os, hein, je suis désolé. Briseur d'os Majrock. Mais j'en ai tué tantôt. Au pire, je vais en chercher une autre. Hein. Casse, on va s'en rechercher une autre. Désolé, hein, mais bon. Elle est un peu morte comme bête, donc léopard de neige, il y a le même là. Alors, il y a quoi là? Montagnard, montagnard, léopard de neige. Ouais, exactement le même là. Et un lapin, je peux pas le. Je veux un lièvre à lapin. Cible incorrecte. Tu m'étonnes. Ours griffe glace. Lui, il va être bon. Je le sens bien. En plus, c'est que niveau 7, il va prendre du level. Allez, deviens mon ami. Lui, il va pas taper. Putain, il tape quand même. Je vais dire, il va pas taper grand chose au direct. Voilà. Par contre, il est devenu tout petit. L'ours a atteint le niveau 10. Ah, il atteint mon niveau directement. Et on va l'appeler Winnie, parce que c'était un ours. Voilà, et alors dans les spécialisations, j'aimerais bien que ma bête devienne un tank. Mais c'est déjà fait. Alors, férocité. Augmente vos dégâts infligés, nanana. Augmente tous les dégâts infligés. Ah non, je veux ça. Ah, je peux changer tout le temps en fait. Ah non, mon ours, je veux que ce soit un bonhomme quoi. Inflige 100% de dégâts supplémentaires et coûte 100% de focalisation de familier, nanana. Bon. Et là. Mais il est où le truc que j'ai vu, moi? Mais par contre, je comprends pas pourquoi il est devenu plus petit, hein. Enfin, soit, c'est pas grave. Voilà, on va y aller. On va leur péter la gueule. Briseur d'os! J'en ai vu un, j'en ai vu un. Là, il y a un artefact. Putain, les dégâts qu'il y a. Allez, Winnie! Eh, mais il rock ça, mon ourson, là. De crâne, briseur de crâne. Briseur de crâne, briseur de crâne, mais putain, ils sont où? Je veux trouver le briseur d'os. Briseur de crâne, briseur de crâne. C'est pas possible, vous voyez bien sur la carte. Briseur d'os. Ah oula. Briseur d'os. Voilà. Et ici que je te pète la gueule. Mais... pas censé tanker. Hein. Bien Winnie. Il gère l'ourson. Les heures de crâne encore. Les heures d'os.
Allez, on lui pète la gueule. Après, oui, nous on va faire une pause, hein, parce que t'es un peu dans la merde là, là ce que je vois. Voilà. Viseur d'os, c'est bon, ils sont là. Les mineurs piégés, on va t'aider, t'inquiète pas. Winnie, t'es chaud? Allez, on est parti. Allez, hop, on tire. Nickel. Toutes les 3 secondes en fait il se prend des dégâts. Mais c'est bien, c'est bien. Et toi on va t'aider parce que t'es gentil. Je vous écoute. Tiens. Déjà les fameux couillons, hein, n'empêche. Il y a 3 bêtes, enfin ils sont 3, il y a 2 bêtes dans la grotte. Voilà. Allez Winnie, pète-lui sa gueule. Allez. On est trop puissant. Trop de puissance. Que puis-je faire pour vous? Voilà. Allez, encore 3. On a là. Comment allez-vous? Et puis quand on aura fini ces quêtes, eh ben, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, je pense. Il m'a étourdi. Mais ça va aller. Un plaisir de vous rencontrer.